Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce 1er novembre. En février dernier, Julien Viville est devenu le président des jeunes agriculteurs de Moselle. Depuis, il continue sur la lancée des précédents mandats, se battre pour l'agriculture et les enjeux économiques et écologiques de demain. Vous en apprendrez davantage sur lui dans cette édition. Focus sur Alizé Group, fabricant industriel de puzzles, installé à Bérennes-lès-Forbach. Avec près de 4000 productions par jour, l'entreprise a su s'adapter en proposant des produits personnalisés. Avec les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas, les machines tournent à plein régime. Le zoo d'Amnéville, berceau de la recherche universitaire. Un professeur de l'Université de Lorraine et l'une de ses étudiantes se sont lancés dans l'observation du groupe d'orang-outans du zoo. L'objectif, comprendre leur comportement pour mieux comprendre ceux des hommes. La météo de demain s'annonce nuageuse le matin avec des températures qui chutent, 7 à 8 degrés. Amélioration l'après-midi avec des périodes ensoleillées, des températures plus agréables jusqu'à 16 degrés. Et nous aurons également une pensée pour nos défunts ce mercredi 2 novembre. Certains d'entre vous y ont déjà déposé des fleurs, d'autres n'ont fait que longer ces murs avenue de Strasbourg, situé à la lisière du quartier de Mesqueleux et de Borny. Le cimetière de l'Est fait partie du patrimoine local depuis 1834. Claude Butner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du site et on va dévoiler dans quelques instants quelques points, peut-être même méconnus du grand public, sur ce lieu. Mais avant, place à l'actualité. Alors aujourd'hui c'est la Toussaint, mais c'est également la journée nationale du souvenir français. Pour l'occasion, élus, porte-drapeaux et membres de l'armée se sont rendus à la nécropole de Metz-Chambière, édifice datant de 1870. C'est un lieu qui regroupe plus de 13 000 sépultures de militaires et civils de toutes nationalités confondues. Une cérémonie s'est donc déroulée sur place avec un dépôt de gerbes à trois endroits, sur deux monuments aux morts, notamment de la période de l'annexion, mais aussi sur la tombe du général Jean-Marcel Robert Guitry, ancien gouverneur de Metz de 1934 à 1936. Parmi les soldats tombés au combat, de nombreux Allemands. De quoi rappeler l'importance du travail de mémoire et de l'amitié franco-allemande. On ne sait pas où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. C'est particulièrement prégnant dans un département comme celui de la Moselle, qui a eu à vivre une histoire particulière au cours des siècles passés. Donc je pense qu'il est fondamental de continuer l'œuvre de mémoire que le souvenir français a engagée, notamment depuis l'Alsace-Moselle et à partir de la période de l'annexion. Donc je suis très honorée et très heureuse d'avoir pu participer à cette cérémonie en présence du président du Souvenir français et en présence de nombreux officiers et de nombreuses autorités civiles et militaires, avec quelques jeunes qui témoignent que la relève est assurée en Moselle et cela fait chaud au cœur. Claude Butner, nos questions ce soir porteront davantage sur le cimetière de l'Est, comme je l'ai dit, en fin d'édition. L'histoire de cette nécropole est-elle intéressante? Est-ce qu'il y a une particularité d'après vous? C'est un cimetière historique, évidemment, sur le plan militaire, avec le nombre de personnes inhumées dans ce cimetière. Ce n'est pas la seule particularité de ce cimetière. Il existe depuis le 19e siècle et il a aussi une partie civile. Il y a des centaines de tombes de personnes qui sont enterrées ici, en plus donc de ce cimetière militaire. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont le visiter, peut-être moins que le cimetière de l'Est, mais il mérite aussi un déplacement. Il y a d'ailleurs un maire de Metz qui est inhumé juste à l'entrée de ce cimetière. Merci déjà pour ces premières précisions. On vous retrouve un petit peu plus tard dans cette édition. On mettra donc en lumière le cimetière de l'Est, en mise en lumière que nous vous proposons à l'occasion de la Toussaint. La Toussaint, une fête catholique qui rend hommage à tous les saints, comme son nom l'indique, mais qui est aussi un jour férié en France. L'occasion pour certains d'aller fleurir les tombes dans les cimetières. À cette occasion, les fleuristes proposent de belles compositions florales pour permettre aux familles endeuillées de rendre hommage à leurs proches. Exemple dans ce reportage de Colline L'Expert. Sous un large ciel bleu, c'est une explosion de couleurs dans les allées du cimetière de l'Est. Nombreux sont les familles à profiter de ce 1er novembre pour rendre hommage à leurs proches,
comme Marianne. Elle a choisi de jolies fleurs pour son défunt mari. Ça fait une année que mon mari est décédé, donc j'y vais toutes les semaines. Mais bon, aujourd'hui, bien sûr, c'est un jour particulier pour tout le monde. C'est un hommage aussi, déjà, et puis un signe de reconnaissance, d'amour. Voilà, c'est tout inclus. C'est des sentiments, je crois, qu'on transmet par les fleurs. Beaucoup de choses. Et pour transmettre ses sentiments aux défunts, la boutique Espace Fleuri, juste en face du cimetière, est habituée à proposer des compositions en tout genre et pour tous les budgets. De la bruyère, de la pensée, ce genre de choses. Voilà, et puis après, on a des compositions donc avec du chrysanthème. Voilà, on a aussi de l'autre côté, voilà, avec de la pensée, de la cinéraire, c'est des plantes qui résistent. Tout l'hiver. Pas forcément de budget moyen, mais on s'adapte à partir des coupes de plantes pour que ce soit quand même quelque chose de joli, donc à partir d'une trentaine d'euros et après 50, 60, 80 ou plus. Mais avec les chaleurs inhabituelles, les fleurs qui honorent nos morts sont plus gourmandes en eau cette année. Certains se tournent donc vers des compositions artificielles ou plus durables. Dans cette fleuristerie traditionnelle de Queuleux, ces fleurs stabilisées, qui ne demandent pas d'entretien, connaissent un petit succès. C'est la rose naturelle. La sève a été retirée, en fait, ils ont été traités à la paraffine, à la cire. Et ça a une durée de vie de 5-6 ans. Après tous les retours qu'on a eus, on n'a jamais eu de soucis avec. Ça plaît beaucoup parce que ça dure, c'est joli et c'est du naturel. Et ces petites attentions peuvent notamment trouver leur place dans les colombariums. Même si les espaces de décoration sont plus restreints que sur des concessions, les familles ont tout autant à cœur d'honorer les êtres qui leur sont chers, partis trop tôt. Allez, on enfile les bottes maintenant, direction la ferme de Julien Viville à Flaucourt. Cet agriculteur de 29 ans est aussi le président des jeunes agriculteurs de Moselle depuis février 2022. Pour sa première année de mandature, Julien Viville a dû faire face à des problématiques importantes dans le monde agricole, telles que la guerre en Ukraine et la sécheresse également. Lucie Philippot a rencontré à la fois l'agriculteur et le président pour parler de ces enjeux. Installé au GAEC des Trois Ormes depuis 2016, sous la casquette de l'agriculteur, Julien Viville s'occupe quotidiennement de ses 300 hectares et de ses 130 vaches laitières. Depuis février 2022, il est le nouveau président des jeunes agriculteurs de Moselle. Mais ce n'est pas un si grand hasard s'il est là où il en est. Chez JIA, moi j'y suis depuis que j'ai 16 ans. Je suis rentré dans le conseil d'administration du département en 2016. En 2018, j'ai intégré le bureau en tant que responsable foncier, que je suis resté pendant 4 ans. Et là, c'est à peu près tout naturellement que je me suis porté candidat. 2022 a été une année particulièrement compliquée pour les agriculteurs. Bêtes et champs ont été impactés par les températures élevées de l'été. Ça a principalement impacté l'élevage bovin, enfin l'élevage en général, même ovin, puisque il fallait aller donner à boire au parc, donner à manger. C'est du temps qu'on consacrait aux animaux, que d'habitude on n'a pas forcément besoin de consacrer autant de temps. Et pour les céréaliers, les cultures de printemps, comme l'orge de printemps, les tournesols, le maïs, ont quand même été impactées durement. Le rendement n'était pas là, quoi. La guerre en Ukraine, elle aussi, n'a fait qu'accentuer ces difficultés, entraînant une flambée des prix, notamment pour les produits phytosanitaires. Les prix sont plus du tout dans les basiques de notre métier, quoi. Là, ils ont doublé, les prix de vente ont doublé, donc forcément, ça déstabilise un petit peu les agriculteurs. Et en plus, tout ce qu'on achète pour prendre soin de nos cultures ont plus que doublé. La guerre en Ukraine crée quand même une incertitude au niveau de tout le monde. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe ne fera pas son même plan d'entreprise que moi, je l'ai fait il y a 7 ans. Et lorsqu'il n'est pas dans son exploitation, Julien Viville endosse le rôle de président. Il le passe sur le terrain à rencontrer des acteurs du monde agricole pour penser au mieux le futur de l'agriculture. L'agriculture de demain, ce n'est pas forcément les jeunes agriculteurs qui vont le décider, mais principalement les consommateurs, puisque l'agriculteur s'adapte quand même au marché, aux débouchés qu'on a derrière. Donc je pense qu'on sera obligé d'incorporer beaucoup plus d'écologie. Je ne dis pas que toutes les exploitations deviendront biologiques, bien au contraire. Mais on devra raisonner plus écologiquement. À 29 ans, Julien Viville est conscient des efforts à fournir.
Il compte bien faire entendre la voix des 300 adhérents du réseau des jeunes agriculteurs de Moselle jusqu'à la fin de son mandat pour faire face aux nouveaux défis de l'agriculture. Après l'agriculture, la culture, rappelez-vous, la compagnie Déracinez-moi avait enflammé les rues de Metz avec le festival Hop Hop Hop. Désormais, ses comédiens s'exilent au musée La Cour d'Or. Avec sa pièce Liechtenstein, la troupe embarque le public dans un parcours spectacle absurde où de riches bourgeois profitent d'une cure thermale pour choisir leur prochain paradis fiscal. Ah, Jean-Yves, venez ici. Complices de 25 ans, ces deux comédiens embarquent sans mal le public dans leur parcours spectacle Liechtenstein. Timides au départ, les curistes plongent vite dans leur personnage, poussés par l'extravagance de leur guide. Bon, bah, j'aurais eu une tête de moine. On aime beaucoup l'absurde, on aime beaucoup aussi créer des situations et faire un théâtre qu'on peut appeler d'intervention pour... De toute façon, on n'a jamais de quatrième mur, on n'aime pas ça, on le voit pas, on le connaît pas. Et donc, les gens sont toujours avec nous. Alors, on les inclut plus ou moins, mais on aime bien leur faire jouer un rôle, qu'ils se sentent impliqués et les emmener vraiment avec nous dans une histoire. Munis de leur fausse identité, ces héritiers fictifs s'initient à l'exil fiscal, le temps d'une drôle de cure thermale, remboursée par la sécurité sociale. Faux et usage de faux. Je falsifie mon identité avec les fromages des Alpes. Plus qu'un décor, le musée La Cour d'Or s'intègre au spectacle. L'allégorie des Balkany. Avec malice et ironie, les comédiens s'attardent sur des œuvres propices au détournement, comme ces tableaux illustrant les fables de La Fontaine. Pensez à la morale de cette histoire, notamment celle du loup et l'agneau. Voilà, la raison du plus fort est toujours la meilleure, ou... entre autres, la raison du plus riche, hein, puisque c'est ce qui nous concerne, est toujours la meilleure. Quoi qu'il en soit, c'est même si vous avez un contrôle fiscal, c'est toujours vous qui avez l'oseille. De digression en improvisation, la déambulation se transforme en jeu, une interaction permanente qui captive les participants. C'est de l'humour très décalé. Il rudoie le public, c'est quasiment du théâtre de rue, mais là en musée. Théâtre d'un jour, le musée La Cour d'Or accueillera en novembre d'autres visiteurs insolites, équipés eux d'une lampe torche. Les fêtes de fin d'année vont arriver très vite et les fabricants de jeux et jouets s'activent déjà. Exemple dans la rubrique économique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Direction Bérenne-les-Forbach, chez Alizé Group, spécialisé dans la fabrication de puzzles, jeux indémodables et intergénérationnels. L'entreprise, comme de nombreux autres fabricants, tourne à plein régime depuis quelques temps. Immersion avec Jean Milon. Des posters comme celui-ci. Il en sort près de 4000 par jour de cette imprimante. Que ce soit des paysages connus de tous ou vos simples photos de famille. Notre force aujourd'hui, c'est vraiment la flexibilité. On est capable aujourd'hui de produire soit un visuel à l'unité, soit de le produire en par 100, 200, 300. Chez nous, on est ultra réactif parce qu'on peut vous sortir une boîte personnalisée dans la journée. Une fois imprimé, le poster est collé sur du carton et termine sa route dans cette machine qu'on appelle la presse. En Moselle et à la frontière, on fait beaucoup de biscuits de Noël, hein. Donc ça fonctionne un petit peu comme un emporte-pièce. Donc on a ici le dessin d'un puzzle. Donc là, on a des toutes petites pièces de 2 cm. Par contre, il faut aussi qu'on pense aux enfants et aux seniors. Donc on fait des pièces un petit peu plus grandes. Donc là, du coup, on va passer sur des pièces qui seront légèrement plus grandes. Et si on rajoute de la mousse à l'intérieur, c'est juste en fait l'action mécanique. On vient presser la plaque de puzzle et la mousse, en reprenant sa forme, va éjecter le carton et c'est ce qu'on va retrouver sur le tapis. Ne reste plus qu'à emballer. Le temps pour nous de changer d'entrepôt et d'arriver du côté logistique. Ici, c'est là que sont stockés les puzzles que l'on prépare pour l'expédition à nos clients. Par exemple, actuellement, là, vous voyez, ce sont les commandes du jour qu'on est en train de traiter. C'est pour les particuliers, c'est-à-dire ici, vous avez des commandes qui partent pour la France, pour l'Allemagne, pour différents pays. Ici, dans près d'1 million de puzzles, des stocks hauts pour faire face à la vague des fêtes de fin d'année. On arrive au début de la période haute, donc aujourd'hui on est sur à peu près un petit millier de commandes par jour, donc environ 4000 boîtes par jour. D'ici quelques semaines, on va monter à 4000 commandes par jour, soit entre 12 et 15 000 boîtes expédiées par jour. Pour tenir la cadence, une vingtaine de bras supplémentaires ont été recrutés.
Les commandes, elles, partiront pour 30% dans l'Hexagone. Voilà, donc c'est très artisanal, mais c'est très efficace. Et le reste, partout dans le monde. Pas besoin de tickets cette fois-ci, on vous emmène au plus proche des orangs-outans du zoo d'Amnéville. Depuis le début de l'année, un professeur d'éthologie de l'Université de Lorraine et l'une de ses étudiantes observent le groupe de primates. Le but, comprendre leur comportement, notamment avec l'arrivée d'un bébé, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre notre comportement humain. Explication d'Anne-Sophie Gross. Depuis maintenant 10 mois, ce professeur d'éthologie et son étudiante observent ce groupe d'orang-outans. Et celui qu'ils scrutent tout particulièrement, c'est Pulco, un bébé né au mois de janvier. Comment occupe-t-il ses journées? Comment se comporte-t-il avec sa mère ou ses frères? Tout est noté minutieusement. Par session de 20 minutes, les deux éthologues observent les contacts et les éloignements des primates. En ce moment, on est en train de chercher qui initie et qui termine les contacts entre eux, donc savoir si c'est principalement Poutri qui va essayer de délaisser un petit peu Pulco ou si c'est Pulco qui va essayer de prendre un petit peu son indépendance. Donc on va noter à chaque fois quand ils ont un contact qui va partir, qui va s'éloigner et qui va recréer le contact entre deux. Car ce que cela traduit, c'est une manière de communiquer entre les singes. Et plus on comprend leur système de communication, plus on en apprend sur les origines des comportements humains, ceux qui ne sont pas issus de la construction sociale. Par exemple, il y a beaucoup de comportements de communication qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à quémander, à mettre la main devant. C'est un comportement de singe, en fait. Ils ont les mêmes émotions à la base que nous. Hein. Ils peuvent être joyeux, ils peuvent être tristes, ils peuvent s'énerver, ils peuvent être jaloux, ils peuvent s'ennuyer, ils peuvent avoir envie de changer d'endroit. Enfin, on voit beaucoup de ces comportements aussi si on observe dans le détail. Plus on les observe dans le détail, comme ça, plus on va avoir l'impression que c'est des humains dans un costume de singe que des singes. Pour le zoo, accueillir des chercheurs en éthologie reste fondamental, car... On protège des animaux quand on les connaît. Et en les connaissant, on applique les bonnes choses pour les protéger. Et la recherche fondamentale, ça fait avancer tout ça. L'objectif des deux éthologues est bien évidemment de publier les résultats de leurs recherches et pourquoi pas faire avancer les sciences humaines. On quitte le monde animal pour nous intéresser au lieu où reposent nos défunts, le cimetière de l'Est. Claude Butner, vous êtes historien et spécialiste du cimetière de l'Est, justement. Il a ouvert ses portes en 1834. À l'époque, d'autres cimetières existaient à Metz. Pourquoi ce choix d'en construire un nouveau à l'époque? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la plus ancienne raison, c'est que jusque-là, tous les cimetières se trouvaient autour des églises, donc à l'intérieur de la ville. Et les habitants ne supportaient plus les odeurs qu'il y avait tout autour de ces églises. Donc, ils ont fait pression, et il a fallu près d'un siècle pour qu'ils aboutissent à avoir des cimetières à l'extérieur. Le premier, ce n'est pas celui du cimetière de l'Est. C'en est un qui se trouvait en bas de la colline de Bellecroix, là où se trouvent actuellement les frigos ardents. Et donc concrètement, il y a aussi une population qui grandit, il y a l'épidémie de choléra petit peu avant, donc forcément il faut aussi un autre lieu. 188 ans d'existence avec de nombreux bouleversements, on l'imagine. Est-ce qu'il y aurait des temps forts qu'on pourrait expliquer à nos téléspectateurs sur le cimetière de l'Est? Alors, tout d'abord, sa création, puisqu'elle a nécessité à peu près 6 ans pour être aménagée. Il a fallu ensuite transporter toutes les personnes inhumées au cimetière de Bellecroix et même dans d'autres cimetières. Et donc, on a commencé tout de suite à y mettre des personnalités. Il y a, j'ai dénombré là à peu près 75 personnalités messines qui sont inhumées dans ce carré historique. Alors justement, c'est la partie la plus ancienne du cimetière, ce carré historique. C'est justement parce qu'il y a des noms de personnalités où on retrouve d'autres personnes? Non, c'est parce que ce cimetière lui-même est intéressant sur le plan architectural, par exemple. On y trouve des tombes qui ont été réalisées par des sculpteurs, messins en particulier, qui sont de très bonne qualité.
Bien entendu, les personnalités sont importantes aussi. Là, on voit en ce moment une tombe d'un Allemand, puisqu'il y a eu aussi toute la période de l'annexion allemande, où de nombreux Allemands sont encore inhumés dans la partie du carré historique et à côté. Donc, d'une part, donc, l'architecture, d'autre part, les personnalités. Et un troisième élément qui est important, c'est ce qu'on appelle le symbolisme funéraire. Il y avait à cette époque-là de nombreuses représentations. Par exemple, les flambeaux avec la flamme en bas qui signifiait la mort. Et quand on le retournait, c'était la Renaissance. Il y a dans tout ce cimetière des tas de choses. Des petits symboles disséminés. Oui. À droite, à gauche. Dans ces bouleversements, il y a aussi l'agrandissement du lieu. 17,5 hectares aujourd'hui. Qu'est-ce qui est encore visible de l'époque ? Peut-être les entrées, déjà, des entrées qui ont été réalisées au départ pour une chose bien particulière. La plus ancienne entrée, bien sûr, se trouve là où se trouve le carré historique, puisqu'il fallait bien entrer dans ce carré historique. Ensuite, on a construit, vers les années 1860, un cimetière qui était réservé aux protestants, qui se trouvait juste à côté du carré historique. Et donc, on a percé une porte à cet endroit-là. Et les deux premières portes-là sont inscrites au monument historique, comme le carré historique d'ailleurs. Ce carré historique a été classé monument aussi Inscrit. Inscrit. Il est inscrit, c'est-à-dire un niveau un peu inférieur au classement. C'est au niveau régional que toutes les décisions se prennent, et non pas au niveau du ministère. Mais il est protégé, ce qui n'est pas sans poser de problème d'ailleurs. C'est-à-dire ? Parce que il y a beaucoup de tombes qui sont dans un très mauvais état. Alors, je suis en contact actuellement avec les élus messins pour trouver des solutions, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que chaque tombe est une propriété privée. Mmh. Elle n'appartient pas à la commune. Juste les allées appartiennent à la commune. Et donc, il faut à chaque fois avoir l'autorisation de faire quelque chose si on veut améliorer une tombe, par exemple. Des zones sont-elles encore protégées ? Est-ce qu'il y a des parties, hormis le carré historique, qu'il faudrait rénover, réhabiliter ? Alors, il n'y a pas pour l'instant d'autres parties protégées, au titre des monuments historiques, mais il serait nécessaire, je dirais même moi, indispensable, de doubler au moins la surface à protéger, parce qu'il y a de très nombreuses tombes qui sont de la même époque, voire même avant 1900, disons, où il y a des tombes magnifiques. Et beaucoup de tombes allemandes aussi, avec des personnalités. Je pense par exemple à Peter Mungenast, que peu de gens connaissent, et pourtant il a été un architecte de la cathédrale avec Tornow et du jardin, qui ensuite a créé sa propre entreprise, et c'est lui qui a construit le palais du gouverneur, par exemple. Donc ce n'est pas une personne qu'on peut oublier facilement. Non, et d'ailleurs son fils, qui s'appelle Ernst Moritz Mungenast, lui a une rue à Metz, parce qu'il est devenu écrivain et il a vendu des millions d'exemplaires, mais pas en France, parce que ces ouvrages n'ont été traduits que dans les années 1970-80. Alors, vous parliez de particularités architecturales. Ce qui a pu sauter aux yeux à travers les images, c'est la pierre de Jaumont. Est-ce que ça, c'est plutôt rare dans les cimetières ? Non, en tout cas pas dans ce cimetière de l'Est. Pas par chez nous. Mais il y a... Ah oui, ailleurs, on le trouve en Moselle, bien entendu, puisque c'est une pierre locale. Hein. Mais il y a une particularité qu'il est intéressant de noter, c'est que la pierre de Jaumont était utilisée quasiment exclusivement par les catholiques. Tous ceux qui étaient républicains, libres penseurs, francs-maçons, avaient de la pierre blanche. Ils se différenciaient. Par exemple, la famille Bouchotte, qui a donné un maire de Metz, un autre, un neveu à lui, qui est devenu ministre sous Napoléon, ils ont un mastaba égyptien comme tombe. Vous voyez, donc on peut trouver autant de particularités à l'intérieur. Tout à fait.
Dans tous les cas, le cimetière de l'Est se modernise, en tout cas comme il le peut. On peut par exemple évoquer la borne tactile à l'entrée, qui est peut-être une petite révolution en soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elle sert, cette borne ? Alors, cette borne, ben, quand on vient pour aller sur la tombe d'un parent ou ami défunt, il suffit de taper le nom de la personne et nous avons les références de la tombe. Bien souvent, le problème, c'est que dans les allées, on ne peut pas identifier la tombe. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de lettre de l'allée. Il y en a très très peu qui subsistent aujourd'hui. Alors maintenant, il y a une nouvelle solution qui vient d'être mise en place. Au mois d'avril 2022, vous voyez, c'est tout frais, on commence à donner des noms aux allées. La première de ces allées, c'est l'allée des Compagnons de la Libération. Et pourquoi on a donné ce nom ? Parce que dans cette allée, on y trouve un des rares compagnons de la libération d'origine mosellane. Et c'est ce type d'information qu'on peut retrouver dans les différentes visites que vous proposez. Tout à fait. Vous en proposez déjà deux ce week-end, donc le samedi 5 novembre et le dimanche 6 novembre. Bon, les rendez-vous sont tous pris, c'est malheureusement. Complet. Mais vous proposez quand même plein de parcours différents et vous reproposerez d'autres rendez-vous. Tout Il suffit de vous inscrire via l'adresse mail metz.découverte@gmail.com. Merci beaucoup à vous d'avoir dévoilé une petite partie de l'histoire du cimetière de l'Est et bonne visite pour ce week-end. Merci à vous. Notre image du jour vous fait revivre eh bien, un incendie qui est survenu lundi soir dans une usine de tri et de recyclage à Talange, un tas de bois d'une dizaine de mètres, aurait pris feu en début de soirée. Les pompiers du département sont arrivés sur place vers 20h et s'y trouvaient encore sur le site ce mardi matin pour dompter les flammes. Aucune victime n'est à déplorer. C'est tout pour l'actualité du jour. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Dans un instant, découvrez notre nouveau numéro de Moselle Sport. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.